pauvre nature humaine. Ah, comme la vie est amère. Oh, quel triste sort que celui des humains. Nous sommes toujours en proie à de cruels problèmes. Oh, ne m'en parlez pas, Pantalon, vous allez me faire pleurer. Oh, je pleurerai avec vous, docteur. Comme je prends part à votre peine. Oh, cher ami, mais au fait, docteur... Pardon. Et au fait, pourquoi est-ce que vous pleurez? Et comment, vous ne l'avez pas deviné? Enfin, moi, le célèbre docteur Macaroni, que lui avait élu à la ronde. J'ai tout entrepris dans ma vie. Ah, pour ça, oui. Et Dieu sait si j'ai réussi. Ah, oh, pour ça, non. J'ai été professeur de boxe militaire. Je me suis lancé dans les nouilles, dans l'élevage des escargots. J'ai entrepris un salon de beauté, et toujours avec succès. Et pour me retrouver aujourd'hui avec un magasin vide, 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 et une tête encore plus vidée. Vous avez la tête vide? Oui. Laissez-moi voir. Ah non! Enfin, ce que je veux dire, c'est que je me retrouve avec un magasin dans lequel je ne sais plus quel commerce installé. Oh. Mais ce n'est que ça! Mais pourquoi ne pas essayer de vendre des petits oiseaux qui font couic, couic, couic? Oh non, ça je l'ai déjà fait. Je cherche quelque chose de neuf, de neuf. Alors pourquoi pas essayer des sucreries? Mais je l'ai déjà fait aussi, vous vous rappelez. Oh, oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. Ils vendaient des bonbons tellement durs que je m'étais cassé la grosse molaire. Regarde. Quoi qu'avez-vous dit? Si, répétez. Mais non, je vous assure. C'est un ordre du médecin. Bon, si c'est un ordre. Eh bien alors, je leur disais que vos bonbons, n'est-ce pas, étaient tellement durs et que je m'étais cassé la grosse molaire. La grosse molaire? La grosse molaire. Pantalon dans mes bras. Mais pourquoi ces effusions sentimentales? Je ne comprends pas, docteur. Mais on fait penser à une molaire. Une dent? Vous avez une dent contre moi. Non, pas du tout. Vous m'avez donné une idée lumineuse. Oui, je vais ouvrir un cabinet de dentiste où je pourrai soigner les dents de tous ceux qui auront mal aux dents. Oh! Idée trois fois lumineuse et c'est moi qui la lui ai donnée. Oh, cher Pantalon, vous serez mon associé. Oh. Venez avec moi. Oui. Mais d'accord. Mais nous connaissons un lien en art dentaire. C'est très facile, venez. D'abord, un petit bouteille. Ah. Moi, pendant ce temps, je vais installer des sièges dans la salle d'attente. Je vous en prie. Bon, et maintenant, il me faut des instruments. Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ces outils? Des outils? Oh, quel vilain mot! Des instruments! Oui, venez avec moi. Ce sont des instruments qui me permettront d'accomplir avec brio mes interventions. Oh. D'abord, ces petites pinces pour enlever les dents récalcitrantes. Oh, et ce vil briquet, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, cette petite fraise qui permettra de saper les vilains nerfs douloureux. Et enfin, cette truelle. Cette spatule pour boucher les trous des caries. Bon, mais ce n'est pas tout ça. Non, enfin, mais c'est vrai, mais ce n'est pas tout. Qu'est-ce qu'il nous manque? Il ne nous manque que des clients. Mais oui. Et pour ça, il faut de la publicité. Nous allons installer des pancartes. Des pancartes? Ah oui, des pancartes à la devanture du magasin. Alors, allons chercher des pancartes. Oui, allons chercher des pancartes. Installez d'abord celle-ci dans la porte, je placerai l'autre dans la vitrine. Voilà. Qu'en pensez-vous, Pantalon? Ah, mais un petit moment, je vais enlever ceci, là. Voilà. Faites soigner vos dents en vous amusant. Mais docteur, oui. Excusez. Docteur, ça ne s'est jamais dit, ça. Faire soigner ses dents s'amusant, voyons. Évidemment, vous ne voulez quand même pas
que je me lance dans un nouveau métier sans y apporter des idées neuves. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai réussi dans toutes mes entreprises. Non, je tiens absolument à ce que chez moi, les patients rient aux larmes pendant que je les soigne. Très bien. Mais comment allez-vous faire? C'est très simple. Suivez-moi. Bon, alors d'abord. Oh, un malade. Oui. Et voilà le malade. Ça, un malade. C'est un malade pour rire. C'est bien ce que je fais. Pardon. Alors, pendant que je préparais mes instruments, vous vous saisissez de cette plume. Oui. Vous vous placez à ses genoux. À ses genoux. Et vous lui chatouillez les pieds. Je chatouille les pieds. C'est ça. Ah bon, avec la plume, hein? Avec la plume, exactement. Bon, et comme ça, les patients sauront que chez moi, on se fait soigner les dents en s'amusant. Je comprends. Guiti. Alors, nous allons faire une petite pratique. Oui. Mais pour la répétition, j'ai un disque de rire. Oui, parce que lui, il rit pas très fort. Hein. Et voici le disque. Permettez, je vais aller toujours sur le côté pour me rendre compte de l'effet. Que j'ai bien vu. Le docteur Magaroni a transformé sa boutique en cabinet de dentiste sans autorisation municipale. Qu'est-ce que je dis, moi? Même avec une autorisation municipale, il ne peut pas pratiquer ce métier, il n'a pas de diplôme. Oh, j'ai bien fait de faire ma ronde. Je m'en vais mettre au pas ce charlatan. Oui. Allez-y, docteur, vous allez la voir, allez. Docteur Magaroni. Ah. Monsieur Pantalon, capitaine de police. Vous venez sans doute pour... Oui, justement. Bon, ben alors, si justement. vous voulez vous asseoir, n'est-ce pas, ça ne sera pas long. Oui, hein? Le docteur est en train d'achever avec une de ses premières patientes. Ben, je vais le voir maintenant. Chacun son tour, mon petit. Chacun son tour. Et qu'est-ce que j'entends? C'est le traitement par le rire. Opération sans douleur. Vous allez voir. Vous ne sentirez absolument rien. La preuve, si vous voulez. Regardez. Oh! Est-ce que le docteur aurait trouvé une nouvelle méthode? Allô, monsieur Pantalon, vous êtes satisfait? Est-ce que je peux arrêter le tour de vide? Vous, voyons, nous avons un client! Ah! Je veux en avoir le cœur net! Démarrez-vous! Ah, c'est des donzards! Et c'est avec des outils, là! Ne touchez pas à mes instruments, je vais être obligé de les désinfecter. Ah, vous appelez ça des instruments, vous... Ce sont des instruments, comme je suis un dentiste. Ah. Un véritable dentiste. Avez-vous votre diplôme? Mon diplôme? Votre diplôme de vrai dentiste. Ah ben c'est que... Mais nous n'en avons pas, mais nous pouvons vous opérer. Ah, vous, je ne vous parle pas. Montrez-le-moi. Ah, Penaud. On exerce tranquillement son petit métier. Mais vous apprendrez, docteur Magaroni, que c'est interdit par la loi. Je veux bien, pour aujourd'hui, fermer les yeux, mais je m'en vais fermer également l'établissement. Mon commerce, notre commerce. Oh, oui, je confisque le commerce. Mais nos frais. Je confisque les frais. Oh, la publicité. Notre publicité. Confisque la publicité. Mes enseignes. Nos enseignes. Tous les enseignes. Je confisque les enseignes. Je confisque les enseignes. Je vous apprendrai, moi. À ouvrir des établissements dentaires sans diplôme. Oh, et ne recommencez pas, sinon... Sinon? Sinon, ce sera la prison. La prison? Ah, la prison. Compris. Balafiche, pas de prison. Capitaine de police, capitaine de police. Ah, tiens, Bigolo. Vous avez l'air de me forme, méchant. Ah oui, la force, méchant. Imagine-toi donc que ce docteur Macaroni, qu'on devrait appeler ce charlatan, avait transformé sa boutique en établissement dentaire, sans diplôme. Un établissement sans diplôme dentaire. Sans diplôme dentaire. Oh, mais j'avais l'œil et le bon. Alors, clac, 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 fermez l'établissement. On verra bien si la force ne restera pas à la fonction publique et à la loi. Allons voir le docteur, pauvre petit docteur maintenant. Pauvre de nous, notre plus belle entreprise. Quand je vous le disais, quel triste sort que celui des mortels. Nous sommes toujours en proie à de cruels problèmes. Oh, mais non. Non. Ah, mais non. Ah, monsieur. Ah, mais non, j'ai une idée.
Ah, tiens. Vous voulez pratiquer votre métier? Oui. Vous allez continuer? Ah. Oui. Mais je ne peux pas, puisque le capitaine de police m'a interdit. Bon. Oh. Vous allez pratiquer en cachette. En cachette? En cachette. En cachette, mais je ne peux pas faire de publicité en cachette. Laissez faire votre associé. Mais c'est absolument impossible. Pour avoir des clients, il faut que j'ai des enseignes. Et pourtant, le capitaine de police... Des bonbons acidulés, caramel mouche. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des bonbons spéciaux pour les caries dentaires. Ah, oui. Ils sont bourrés de sucre bien croquant. Et je vais aller de porte en porte pour les vendre. Et toutes les personnes qui en mangeront auront mal aux dents. Ils trouveront votre adresse secrète sur le papier des bonbons. Tenez, regardez. Regardez ça. Voilà le bonbon. Et voilà le papier. Lisez. Oui. Inérocam. Mais non, voyons, comme ceci. Oh, pardon. Laissez-moi voir. Docteur Macaroni Denti. Oh, mais c'est génial! Allez, préparez vos instruments. Je vais commencer mon rabattage. Mais je suis maintenant au courant! Des bonbons acidulés! Pastilles de menthe, caramel, chocolat glacé, demandez bonbons acidulés! Le voilà qui veut distribuer à ces pauvres petites dents sans défense des caries. Ça ne se passera pas comme ça. Je vais leur donner des... Demandez bonbons acidulés, pastilles de menthe, caramel, chocolat glacé, de... Colombine. Bonjour. Ma douce Colombine, accepterais-tu d'encourager un marchand de bonbons qui vient de se lancer en affaires? Ah oui, vous vendez des bonbons? Oui, regarde comme ils sont beaux. C'est que je ne suis pas très en moyen en ce moment. Que cela ne tienne. Permets-moi de t'en offrir quelques-uns. Tu es ma première cliente. Oui, vous voulez vraiment, là? Mais allez, tu n'as qu'à choisir. Tout ce que tu voudras, je te les donne. Bon, alors je vais prendre... Tiens, ceux-ci, hein? Oh, les voilà, tiens. Merci. N'est-ce pas? Mais un sac, c'est beaucoup trop. Non, mais tu tiens, et même je te donne celui-ci par surcroît. Mais monsieur Pantalon, vous êtes beaucoup trop gentil. Mais non, je suis sûr que ça va me porter bonheur pour toute la journée. Et maintenant, tu vas m'excuser, je vais aller continuer mes ventes, n'est-ce pas? Achetez bonbons acidulés, pastilles de mon caramel. Eh ben, dis donc, c'est bien la première fois que ça lui arrive, hein? Lui, ce sphinx, faire cadeau de sa marchandise. Eh ben... T'as pas compris que c'était pas des bonbons ordinaires? Oh, des bonbons ordinaires? Mais non, ce sont des bonbons truqués qui donnent des caries dentaires, oui. Le docteur a ouvert un cabinet de dentiste et Pantalon a trouvé ce moyen pour lui rabattre des clients. Quoi? Mais oui, c'est ça. Tu te rends compte? Regarde donc l'adresse. Ils ont même mis l'adresse sur ce petit tapis. Macaroni dentiste? Oh, les coquins! Oh, les coquins! Mais il faut tout de suite les déclarer au capitaine. Mais non, on va organiser ça. Écoute, regarde, tu vas faire croire à Pantalon que tu as mangé tous les bonbons et qu'il t'arrive un gros mal de dents. Attends, c'est pas assez enflé, on va y mettre un petit coton. Oh, mais attention, voilà Pantalon qui arrive, cache vite, c'est ton plein. Voilà. Oh, t'as bien compris, joue-lui ta sérénade, le poil là. Oi, oi, oi. Mais non, avec du sentiment. Oi, mais qu'est-ce qui t'arrive, ma petite Colombine? Elle a mal aux dents. Non, ce n'est pas possible. Oui, j'étais en train de manger vos bonbons, là, quand tout à coup ça m'a pris. Mais il faut aller chez le dentiste. Mais justement, c'est ce que j'y disais, mais... Oui, mais...
je n'en connais pas. Comment? Tu n'as pas lu l'adresse sur le petit papier? Hein? Voyons, mais le docteur Macaroni vient d'ouvrir un cabinet secret de consultation. Mais oui, le docteur Macaroni? Oui. Mais je ne vais pas y aller. Oh, il ne faut pas avoir peur du dentiste, ma petite. Aujourd'hui, de nos jours, on soigne les dents absolument sans douleur. Mais oui, mais c'est... Quoi, c'est quoi, à cause du bandage. Quoi, à cause du bandage? Mais oui, elle est coquette, puis elle veut pas se promener dans les rues avec un bandage autour de la tête. Alors j'ai une idée, vous pourriez peut-être en mettre un, vous, et lui montrer que c'est pas si laid. Mais certainement, mon petit Piccolo. Merci beaucoup, beaucoup. Non, il n'y a pas de quoi, alors prends-moi. La marchandise, oui, oui, oui. Les ratons, un petit mouchoir. On n'aurait pas un petit mouchoir. Voilà. Vous êtes prêts? Mais oui. C'est magnifique. Voilà. Oh! Oh, la course dans les... Mais alors, regarde, Colombine, ça n'a pas du tout l'air ridicule. Bon, ben, vous allez lui parler pour la faire venir. Moi, je vais prévenir le dentiste. Très bien, alors, regarde. C'est vrai, monsieur Pantalon, est-ce que vous avez l'air de belle œuf de Pâques? Docteur Macaroni! Oh, les vilaines dents, il faudra en enlever. Mais c'est pas pour ça que je suis venu, voyons, c'est pour Pantalon. Pantalon! Oui. Il aura donc vendu tous ses bonbons. Oh non, pas du tout. Non, il n'a pas vendu rien du tout de bonbons. Non, justement, il était tellement découragé que machinalement il a mangé les bonbons, puis maintenant il a une terrible mal de dents. Oh! Affreuse! Oh, un malade. Tant mieux, je vais pouvoir le soigner. Ah, mais il ne veut pas venir vous voir! Oh, mais pourtant il connaît mon habileté. Ah non, mais alors il va falloir le... Nous emploierons les grands moyens. Mais c'est ça! D'accord, monsieur. Pantalon, je veux bien aller avec vous, seulement à la condition que vous gardiez votre bandeau sur la tête, parce que je ne veux pas être toute seule à me promener comme ça. D'accord, si ça peut te faire plaisir. Allez, viens, allons soigner cette vilaine culotte. Allez, viens. Alors, s'il se rebelle, un petit coup d'œil, et nous pourrons opérer. Où nous voilà qu'à arriver. Je vous l'amène. Oh, alors, mon cher Pantalon, de quoi s'agit-il? D'une toute petite molaire qu'il va falloir enlever, je crois. Mais avec plaisir, veuillez passer de ce côté. Mais non. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de Colombine. Colombine. Ne trouvez pas qu'il cherche toujours un moyen pour se faufiler. Alors, mon cher docteur, mon cher Pantalon, à votre âge. Alors, mais non, puisque je vous dis qu'il s'agit de Colombine. Pas du tout. Qu'est-ce qu'elle a fait de son pansement, elle? Ah, on a peur du dentiste, monsieur Pantalon? Moi? Mais non, mais quoi? Allez-y, docteur, je le tue. Petite anesthésie locale. Il a passé les étoiles. C'était beau dans le ciel sans voile. Il a passé les étoiles. Alors, à l'ouvrage, veuillez s'il vous plaît lui ouvrir la bouche. De quel dos s'agit-il en ce moment? C'est celle-là. Oh, la grosse molaire. Alors, nous allons d'abord l'ébranler. Je vais vous la placer. Allez-y. Et puis maintenant, nous allons l'enlever. Rien. J'en ai jamais vu une comme ça. Moi non. Oh, mais donc, ce monsieur Pantalon, il a beaucoup de dents dans la bouche. Il y en a beaucoup trop, justement, oui, l'autre fois. Hein, Colombine, il me dit ça, j'en ai plein la bouche, je ne peux même plus parler, plus manger. Oui. Et puis, il voudrait que c'est sans parole. Il a dit ça. Ah, il a dit ça. Oh, mais alors, c'est le temps, hein. Je crois, oui. Alors, nous allons les lui enlever. Par laquelle va-t-on commencer? 1, 2, 3, 4 petites mains, sans mal ou pas, ça n'a aucune importance. Allez-y, docteur, je vous fais confiance. Bon, et alors, allons-y. Voyons. Docteur, celle-là, là, je crois. Celle-là. Je crois celle-là, alors, même. Allons-y. Viens là. Oui, j'y suis. Allez-y, là. Très fort. Et ouh, la grosse dent. Alors maintenant, je crois que pour aller un peu plus rapidement, nous allons en ébranler quelques-unes. Bon, opération finale. Opération finale. Et voilà.
Rince bouche. Et voilà qui est fait. Oh, mais docteur, il n'a plus rien. Il n'a plus rien dans la bouche. Justement, j'ai fait place nette. Plus de dents, plus de bras, sur un simple rinçage suffit. Attendez, ils arrivent, attention. Juste à temps. Mais juste à temps de se déguiser en courant d'air que l'on dit. Mon cher patient, comment allez-vous? Quoi, mon cher patient? Qu'est-ce que je veux dire? Tout est terminé. Ne vous énervez plus. Mais qu'est-ce qui est terminé, là? Mais vous, pourquoi je parle comme ça, moi? Et de vos dents? Qu'est-ce qu'ils ont, mes dents? Qui pouf! Et bien, voilà. Mais où sont passées mes dents? Elles sont ici, mon cher pantalon, toutes vos dents. Oh! Oh, le bandit! Mais achète le coquin! Mais pas du tout! Je vais être associé et non pas victime! Oh, mais c'est une salope, maman! Oh. Mais vous l'avez cru, hein? Petit cadeau pour pantalon! Oh oui, voilà pantalon! Oh, toutes ces misères! C'est épouvantable, ce dentiste de malheur là qui m'a arraché tout ça! Mais j'ai trop obligé de me nourrir avec de la bouillie pour les chats! C'est pas un cadeau! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, c'est un cadeau! Mais il y a quelque chose d'écrit dessus! C'est sans doute d'un ami! Oh, les amis qui ne nous oublient pas dans les malheurs! C'est merveilleux! Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Pour mâcher sans fatigue! Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, voyons voir dans la boîte. C'est une belle surprise. Pantalon, mais qu'est-ce que vous avez à griller comme ça? Ce bandit, ce docteur, là, qui m'a arraché toutes les dents, et ce coquin, le piccolo, là. Mais comment il a pratiqué malgré ma défense? Oh, j'ai bien fait de revenir par ici. Mais qu'est-ce que vous allez lui faire? La prison! La prison! Oui, mais mes dents, mais ça ne me rendra pas mes dents! Ça vous apprendra à pratiquer l'art dentaire malgré ma défense! Les dents de sagesse, ça vous fera pas de mal. Mais c'est en tout mon coq que je tiens maintenant. Je vais vous attraper tous les deux. Si vous avez une dent charriée, vous allez la faire soigner. Et choisissez un bon dentiste qui ne soit pas comme ce fumiste. Oh, yeah.